c'est parti. En place, s'il vous plaît. On va commencer, s'il vous plaît. Pour le citron, c'est ça. Vous voulez le citron pour tromper votre soif. Vous avez la bouche en feu, les lèvres, la langue. Vous devez convaincre votre copine que c'est le partage ou la mort. Mais comment tu veux qu'on lui saute dessus? Tu peux pas l'agresser au ralenti quand même. Mais enfin, tu vas pas l'agresser au ralenti, tu vas l'agresser à la vitesse normale. Mais moi, je comprends rien, on est en train de crever, il faut que j'agresse mon pote pour un citron. Un peu bizarre, non? Bah, qui te dit que dans la vraie vie, moi, avec un citron, pour un citron, je ne te tuerai pas. Moi, c'est tout vu dans la vraie vie. Ouais, vous êtes grand mal. Bon, hey, s'il vous plaît, n'oubliez pas que vous êtes les 15 survivants du radeau. La Terre est là. Mais ils sont où, là, les autres? Nicolas, Eugène, Courtade, Oh, du bateau. Non, mais il en manque la moitié, moi, je peux pas travailler, hein. C'est vrai, quoi? Mais là, tu vas m'en pas dans travailler. Pas dans votre messieurs, s'il vous plaît. Et puis qu'est-ce que c'est que ce costume là? Et ils sont où les autres? Mais ils sont là! Il y a 19 personnes sur le radeau de Jéricho. Et on ne discute pas avec la peinture. Chacun reprend sa place immédiatement. Immédiatement, vous m'entendez? Non mais sinon vous êtes tous virés, hein? Allez, installez-vous là et ne bougez plus! 25 janvier 1816. Lausac, la bande. Pendant cette nuit, j'ai essayé de compter combien nous étions à bord. Il me semble que nous sommes encore 15. Demain, je serai mort. Je sens bien en effet que j'arrive au terme de mes souffrances, car toute ma vie repasse dans mon souffle. Merci. C'est pas de ma faute si on nous a filé du matos pourri. Bon, écoute, c'est toi la régie ce son, hein. Ça fait 2 jours que j'attends la prime, là, pour le boulot. Bon, écoutez, hein, pas de revendications sur le plateau. Personne ne peut travailler dans ces conditions. Ah oh mais non, je peux pas travailler. Non mais moi non plus, je peux pas travailler. Hein. J'ai un tableau à voir, moi. J'ai une image à créer. Et là, je vois plus rien, vous entendez? Plus rien. Vous êtes en retard. La répétition a commencé depuis une demi-heure. Vous n'êtes pas en costume. Vous êtes tous à la menthe. C'est humiliant de faire les cadavres. Ouais. C'est moi, les jambes écartées, là, les parties à l'air. Au premier plan. J'ai invité personne, t'entends? Personne. Non mais qui veux-tu, j'invite mes gosses, ma mère. Devant un pantalon. Mais je rêve. Non mais je rêve. 25 janvier 1816. Pendant cette nuit, j'ai essayé de compter combien nous étions à bord. Il me semble que nous sommes encore 15. Demain, je serai mort. On y va. 25 janvier 1816. Pendant cette nuit, j'ai essayé de compter combien nous étions à bord. Il me semble que nous sommes encore 15. Demain, je serai mort. Je sens bien en effet que j'arrive au terme de mes souffrances, car toute ma vie repasse dans mon souvenir. Mon pays, mes amis, ma famille, il m'est donné de les revoir une dernière fois en rêve. Qu'on se figure, 15 infortunés presque nus, le corps et la figure flétris par le soleil, nos membres dépourvus d'épiderme, nos yeux caves et farouches, nos longues barbes nous donnaient un air hideux. Nous n'étions plus que les ombres de nous-mêmes. Plus de paroles, plus de gémissements même sur ce radeau. Silence absolu. Là-bas ! L'Amérique !
Yeah.